Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on est dû pour un dessert et on fait un dessert vietnamien qui est des mochi vietnamiens dans un sirop de gingembre. Mochi vietnamien, c'est un peu bizarre comme nom parce que mochi, c'est japonais. C'est vraiment juste un nom pour que vous puissiez comprendre c'est quoi parce que c'est vraiment comme un mochi. Quitam, viens donc me dire le nom en vietnamien. C'est choy nu. Et ça veut dire perle à la dérive, boule à la dérive. Quelque chose comme ça. On s'est dit que vous alliez peut-être un peu plus comprendre c'était quoi le dessert avec un mochi. Et la recette d'aujourd'hui se fait avec des ingrédients simples, des étapes qui sont pas très compliquées non plus, mais il y a plusieurs petites préparations. Comme par exemple, on va faire la pâte de mochi avec une garniture d'haricots mungo à l'intérieur. Il va y avoir un sirop de gingembre et il va aussi avoir une petite crème de coco qui va être versée sur le dessus. Toutes les étapes se font un peu en simultané, fait qu'on va essayer de décortiquer ça pour que ça soit vraiment facile à comprendre pour vous. Donc on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La première chose qu'on va préparer, ça va être la petite crème de coco, parce que ça peut être servi froid sur le dessert chaud. Donc on va faire ça, on va mettre ça de côté, on va pouvoir l'oublier jusqu'à la fin de la recette. Première chose qu'on va avoir besoin, c'est une conserve de lait de coco de 400 ml. On va mettre ça dans une petite casserole. À ça, on va rajouter 4 cuillères à table de sucre. Et il va aussi avoir du sel pour faire un petit côté sucré-salé. Nous, on va mettre une demi-cuillère à thé parce qu'on aime quand c'est vraiment comme une petite sauce un peu plus salée. Mais vous pouvez commencer avec un quart de cuillère à thé si vous aimez plus avoir un dessert très sucré. On va juste remuer ça un petit peu. Et là, on va allumer le feu. On va amener ça à ébullition. Dans le fond, on veut le chauffer surtout pour venir dissoudre le sucre. Mais on va venir aussi l'épaissir un petit peu avec de la fécule de maïs. Donc, quand ça va se mettre à presque bouillir, on va intégrer la fécule de maïs et après ça va être prêt. Donc, 2 cuillères à thé de fécule de maïs avec 2 cuillères à table d'eau. On va bien mélanger ça. On commence à avoir des petites bulles ici. Je vais juste baisser mon rond un petit peu pour pas que ça bouille trop fort. On va juste rebrasser notre fécule de maïs et on va la verser. On va remuer tout de suite. Et là, je vais remonter un petit peu le feu juste pour faire bien épaissir. OK, là, ça commence à bouillir. On ferme le feu. On met ça de côté. On peut mettre un petit couvercle aussi dessus. La deuxième chose qu'on va préparer, ça va être la garniture d'haricots mungo. On a besoin d'une demi-tasse d'haricots qui sont pelés, donc ceux-là qui sont jaunes, qui n'ont pas la petite enveloppe verte autour. On met ça dans une petite casserole et on va aller le rincer 3-4 fois. Après ça, on va mettre de l'eau dans la casserole à peu près à la moitié et on va aller mettre ça sur le four à feu moyen. Faites vraiment ça à feu moyen. On ne veut pas que ça boue à trop gros bouillon parce que les haricots vont cuire trop rapidement et ils vont trop ramollir. Et quand on va faire notre purée, ça va avoir absorbé tellement d'eau que ça va faire une purée trop liquide, dure à travailler. Et gardez-vous un petit écumoir pas loin parce que ça fait vraiment beaucoup de brou. Et une fois de temps en temps, on doit aller écumer parce que sinon ça peut déborder. Et il n'y a pas vraiment de temps précis. Je vous dirais que c'est en tout et partout là, le temps que l'eau chauffe puis que les haricots cuisent, peut-être entre 20 et 30 minutes. Et au moment que moi je pars les haricots à bouillir, je vais aussi partir une deuxième casserole qui va être pour le sirop de gingembre. Pour le sirop, on va avoir besoin de 1 litre d'eau. C'est beaucoup d'eau parce qu'on va venir faire flotter toutes nos boules à la fin dans le sirop. Donc on a quand même besoin d'un bon volume. Et le sucre qu'on va utiliser pour le sirop, ça va être du sucre de canne. Vous allez voir, là, souvent, ça vient dans des petits paquets comme ça, avec du sucre en languette dure un petit peu. On a besoin de 300 grammes, donc moi, je vais les briser en petits morceaux. Ça va juste être plus rapide à se dissoudre dans l'eau. Si vous n'êtes pas capable de trouver le sucre de canne en bâton comme ça, vous pourriez prendre de la cassonade aussi. Prenez elle qui n'est pas la plus foncée, la cassonade jaune dorée. Donc, on met tout notre sucre dans l'eau et on va aussi aller mettre ça sur le four. Ça, pour tout de suite, je vais mettre le couvercle. Je veux pas que ça s'évapore trop. Et on va mettre ça à feu assez bas, là, 3 ou 4 maximum. Moi, je le mets tout de suite sur le four juste parce que les blocs de sucre comme ça sont un peu longs à dissoudre, contrairement à de la cassonade qui serait toute lousse et aérée. Si vous utilisez de la cassonade, vous pouvez juste commencer à le faire chauffer plus tard quand on va être plus proche d'avoir terminé l'assemblage du dessert. Pour le gingembre, on va en avoir besoin de 35 grammes. Si vous aimez vraiment quand c'est fort en gingembre, allez-y avec 50-60 grammes. Fait que le gingembre, on peut le laisser en grandes tranches ou le couper en julienne, c'est comme on veut. Moi, je le coupe en petites juliennes. En julienne, ça va juste dégager les saveurs un petit peu plus rapidement. Moi, ce que je fais, c'est j'attends que mon sucre soit complètement dissous et après ça, je vais mettre le gingembre et on va laisser mijoter pour un petit 20 minutes. Fait que ça, je vais aller laisser ça à côté de ma casserole. On va le rajouter juste tantôt. Là, notre sauce de coco est prête, nos haricots sont en train de cuire et notre sirop, il commence à mijoter tranquillement.
Là, on est prêt à préparer la pâte de riz, qui est comme la pâte mochi. Pour ça, on a besoin de 250 g de farine de riz gluant. C'est vraiment important de prendre la farine de riz gluant et non le sac rouge qui serait de la farine de riz blanc, parce que sinon, ça ne vous donnera pas la pâte élastique qu'on a besoin. Et à la farine, on va rajouter de l'eau. Je voudrais que c'est autour de 230-235 ml. Et on va la faire chauffer un petit peu au micro-ondes, comme un 30-40 secondes, pour que ce soit un peu plus chaud que température de notre corps. Il faut que quand on mette notre doigt, on sente que c'est un peu chaud, mais pas bouillant, parce qu'on ne veut pas cuire non plus la pâte. Il y en a 35 secondes. Ah ouais, 35 secondes, c'est bien correct. Là, on peut venir mettre ça directement dans la farine et on peut brasser avec les mains, mais je vais commencer à brasser avec des baguettes juste pour pas avoir les mains toutes gommantes tout de suite. Allez-y graduellement. Je vais presque toute la mettre, mais je vais me garder comme un 30 ml à la fin, juste pour des ajustements, parce qu'il y a des fois que ça va en prendre moins, des fois que ça va en prendre plus. Ça va varier d'une fois à l'autre. Bon, clairement, là, c'est assez sec, donc on va rajouter de l'eau. Puis là, je vais commencer à y aller avec les mains, vu que mon mélange est quand même assez sec. On va en rajouter encore. Comme là, ma pâte, elle se tient quand même assez bien, mais je peux voir qu'elle est encore un petit peu sec, fait que je vais vraiment tout mettre mon eau. Finalement, j'ai mis au total 235 ml aujourd'hui. Avec ce type de farine-là, ça va tout le temps avoir un look de farine sèche. Là. On dirait que la pâte, elle se brise comme si elle cassait. Il n'y a pas de gluten comme avec de la farine de blé, fait que ça a une texture un peu étrange. Et une fois que l'eau et la farine sont bien combinées, on va pétrir ça pendant 3 minutes. Si jamais vous trouvez que ça manque un petit peu d'eau, vous pouvez en rajouter comme 5 ml à la fois. Là. Rajoutez-en pas trop à la fois parce que ça devient rapidement trop liquide. Et si au contraire vous avez rajouté trop d'eau, vous pouvez rajouter un petit peu de farine de riz gluant pour venir assécher ça un peu. Et à ce point-ci, là, quand vous êtes rendu à pétrir votre pâte, là, gardez un œil sur les haricots mungo en arrière parce que l'eau commence à être pas mal chaude et c'est souvent à ce moment-là qu'il commence à avoir de l'écume et qu'on se rend compte que le chaudron déborde un peu. J'ai assez pétri ma pâte. On va l'emballer dans une pellicule de plastique et on va laisser reposer ça sur le comptoir le temps de préparer la garniture. D'ailleurs, je dois venir écumer un peu. Comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup de brou. Et là, on va juste vérifier la cuisson des haricots, comment qu'elle s'enligne. Comme là, on voit que c'est pas encore prêt, parce qu'on voit qu'ils sont pas encore semi-translucides. Quand ils vont être presque prêts, on va voir un petit point blanc au centre, puis l'extérieur va être plus translucide un peu. D'après moi, il reste encore 5 minutes. Puis là, mon sirop, c'est sûr que là, ça chauffe pas très fort. C'est en train de se dissoudre tranquillement. On voit que les blocs commencent à rapetisser un petit peu. Fait qu'on va laisser les haricots cuire encore un petit peu et après ça, on va pouvoir les broyer et rajouter quelques ingrédients pour faire la garniture. Bon. Là, mes haricots, ils ont assez cuit et pour vous montrer la texture, on voit là, que ça commence à être semi-explosé. Il y a encore un petit point opaque au centre. Fait que là, on va aller les égoutter. Et là, ici, prenez le temps de vraiment très bien égoutter. On veut vraiment enlever le plus d'eau possible pour avoir une farce qui se tient. Et là, petite parenthèse, mon sucre est tout dissous. Je vais mettre mon gingembre tout de suite. Je vais remettre le couvercle. Puis je vais juste monter un petit peu le feu. Dans le fond, je fais juste le laisser mijoter une toute petite affaire, juste pour que la saveur du gingembre puisse se répandre dans le sirop. Je pense que mes haricots sont bien égouttés. On va les mettre dans un robot culinaire. Avec les haricots, on va mettre un quart de tasse de sucre, qui est 55 grammes. Un quart de cuillère à thé de sel. Et une cuillère à table d'huile de canola, de l'huile végétale. On met le couvercle et on part la machine pour réduire ça en purée. Là, je vais juste venir l'ouvrir pour gratter mes côtés. Je vous dirais que la texture que c'est supposé avoir en ce moment, c'est légèrement plus liquide que des patates pilées. Une fois qu'on a une belle purée lisse comme ça, on va la sortir dans un bol. Et là, pour vous donner une idée de la texture, ça ressemble beaucoup à des patates pilées en ce moment. Si jamais vous, à la maison, c'est beaucoup plus liquide que ça, c'est peut-être parce que vous les avez mal égouttées ou parce qu'ils ont trop bouilli. Dans ce temps-là, on doit les mettre dans un poêlon et à feu moyen, on vient vraiment revirer la pâte et la cuire juste pour faire évaporer l'eau. Ça va faire une pâte un petit peu plus dense parce qu'on veut que ça se tienne un petit peu à la fin. Mais il ne faut pas oublier que juste en attendant un petit 15-20 minutes,
il y a de l'eau qui va s'évaporer et juste en attendant comme ça, à l'air libre, ça va durcir un petit peu. Donc moi, ma texture de patate pilée, tantôt, je vais être capable de venir faire des petites boules avec. Et il reste un ingrédient à mettre à la recette et j'ai été la première à être sceptique vraiment quand j'ai vu cet ingrédient-là. Parce que dans le fond, ce dessert-là, ma belle-mère m'en a amené il y a une couple de semaines, c'est elle qui me l'a fait découvrir. Et quand j'ai pris une bouchée, j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait des oignons verts, là, comme des échalotes là, qu'on appelle au Québec. J'étais comme, je suis pas sûre par exemple que je vais mettre ça dans le dessert que je vais proposer sur la chaîne. Mais finalement, quand j'y ai goûté, j'avoue que ça apporte vraiment une petite touche. Tu sais, je trouvais ça bizarre d'avoir des oignons verts dans un dessert. Mais je dois avouer que c'est vraiment très très bon. Donc si vous vous sentez aventurier, essayez-le. C'est des petits oignons verts qu'on va juste venir couper finement. On va en mettre une cuillère à thé, là, c'est pas une grosse quantité. Mais si vraiment vous voulez skipper cette partie-là et ne pas les mettre, c'est correct aussi. Et moi je les coupe séparément, je les rajoute après parce que je veux pas que ce soit broyé trop finement avec le robot culinaire. Il faut qu'on voit les morceaux un petit peu. Donc pour la farce, c'est prêt. Tout ce qui va rester à faire, c'est de former des petites boules. Mais avant de faire ça, on doit laisser reposer un petit 15-20 minutes le temps que ça se raffermisse un peu. Et durant ce 15 minutes-là, on va se faire chauffer une marmite d'eau qui va servir à faire bouillir les grosses boules. Fait qu'on vous revient dans pas long! On est prêt à faire nos petites boules et là j'ai une marmite d'eau qui est en train de bouillir ici parce qu'à chaque fois qu'on finit de faire une boule, on va la mettre directement dans l'eau bouillante et je vais avoir mon sirop qui va être juste à côté qui est encore chaud. Je l'ai retiré du four pour le mettre là, c'est correct s'il n'est plus sur un rond qui est en train de chauffer. Une fois que la boule va avoir fini de cuire, on va la transférer directement dans le sirop. On va commencer par se faire 12 boules avec la farce et moi je vais prendre une petite cuillère à crème glacée comme ça. On va la remplir comme comble, ça va faire des boules d'environ 25 grammes. Et je vais quand même mettre ça sur une pesée parce que j'aime ça être quand même un peu précise. Et là, on doit quand même mieux former nos boules un petit peu. Fait que pour ça, on va se mettre un petit peu d'huile végétale, de l'huile de canola, dans les mains. On va prendre chacune des boules et on va juste comme les presser un petit peu. Et là, on est prêt à mettre la pâte autour de la garniture. Il faut s'assurer que notre eau soit déjà en train de bouillir. Et si possible, bouillir à feu moyen, pas comme les plus gros bouillons que vous pouvez avoir. Là. C'est comme en ce moment, c'est pas pire, mais on pourrait avoir un petit peu plus d'ébullition que ça. Mais bon, le temps que j'en fasse un, je pense que ça a le temps de bouillir assez. On va faire une boule à la fois. Je ne vais pas tout diviser ma pâte en 12 boules parce que je veux m'assurer qu'elle ne s'assèche pas. Fait qu'on va prendre un petit morceau. On a besoin de 30 grammes. Fait que je vais la peser au fur et à mesure. Une fois qu'on a 30 grammes, on va juste faire une petite boule comme ça. Et on va venir l'aplatir dans les mains. Vous allez voir, c'est une pâte qui est quand même assez cassante, là. Si vous voulez vous huiler légèrement les mains, c'est correct aussi. On va mettre la boule au centre. Puis on va juste rabattre les côtés. Puis on va tranquillement comme mouler les rebords vers le haut en pesant sur la garniture. Tranquillement, pas vite, comme ça, ça va se refermer. Puis rendu ici, on peut juste comme le pincer. Puis là, même si ça a l'air de n'importe quoi comme ça, vous allez voir qu'en le pressant un petit peu entre les mains, juste en le travaillant, ça va tout se refermer. C'est une pâte qui est quand même cassante, mais les trous, on est capable de les boucher facilement quand même. Comme là, on voit que la texture est revenue vraiment plus lisse. Et une fois que notre boule est bien lisse, ce qu'on va faire, c'est on va venir tourner notre eau dans la marmite. Parce que quand on va déposer la boule, on veut pas qu'elle fasse juste comme caler dans le fond puis coller au fond. En faisant un tourbillon comme ça, la boule, elle va rouler dans ses premiers instants de cuisson. Et ça va juste permettre une cuisson où ce qu'elle reste ronde. Je vais aussi utiliser la cuillère pour déposer la boule. Comme ça, ça va pas m'éclabousser dessus. Et pour le temps de cuisson, c'est quand même assez variable. Je vous dirais qu'il n'y a pas de temps précis. À partir du moment que la boule commence à flotter, moi, je laisse encore un 2-3 minutes de cuisson et après ça, je la transfère dans le sirop. Pendant que la première cuit, je vais commencer une deuxième. Ah, et pendant que vous êtes en train de former une boule, assurez-vous d'avoir tout le temps votre pâte bien emballée dans la pellicule de plastique parce que c'est une pâte qui peut s'assécher quand même rapidement. Et quand elle est trop sèche, elle est dure à travailler.
Là, j'ai fini de faire mes 12 grosses boules avec la garniture à l'intérieur. Et moi, je fais vraiment 30 grammes de pâte. Et je suis très précise parce que j'aime ça quand il me reste une boule de pâte à la fin. Parce que le restant, je vais le diviser en 12 mini boules qui n'auront pas de garniture. Ça va juste être des petites boules de mochi comme ça. Fait qu'on va juste les rouler grossièrement. Je vais faire la même chose. Je vais tourner mon eau. Je vais déposer la petite boule. Et en passant, je vous avais mentionné qu'une fois que les boules commencent à flotter, j'attends comme 2-3 minutes avant de les retirer dans le sirop. C'est pas grave là, si c'est 4-5 minutes. T'sais, des fois, on se rappelle plus laquelle s'est mise à flotter en premier. Mais c'est quand même facile de voir laquelle qui est la plus prête à retirer parce qu'elle est vraiment plus grosse que les autres. C'est comme là, j'ai elle qui est la plus grosse. Il y a celui-là qui commence à flotter, mais t'sais, on le sait que celle-là, c'est elle à retirer juste parce qu'elle est vraiment plus grosse. On va l'enlever tout de suite. Puis en refroidissant dans le sirop, on voit qu'ils rapetissent un peu puis ils vont caler après. Bon, fait que moi, j'ai fini de faire mes petites boules. Fait qu'on va juste attendre que tout ait fini de cuire. On va tout transférer dans le sirop et après, on va être prêt à assembler le dessert et goûter. Fait que là, pour le restant de la vidéo, Amy va être avec moi parce qu'elle arrêtait pas de pleurer. Je pense qu'elle veut pas qu'on finisse la vidéo. Fait qu'on est prêt à servir. On va se prendre une grosse boule et une petite boule. Et on va mettre aussi le petit sirop. On va en mettre quand même généreusement. D'habitude, j'en mets jusqu'à temps que ça arrive à la moitié des boules ou un petit peu en haut. Là, je vais juste remuer un petit peu ma crème de coco. Et on va venir en mettre généreusement. Et on finit avec des petites graines de sésame. J'essaie de le couper à une main. Ouais, tiens-moi mon bol. Pas évident de travailler à une main. Oh! Ce dessert-là, là, il est vraiment trop bon. Le petit bout de gingembre, au début, il est subtil. Et plus les heures passent, plus le goût de gingembre devient intense dans le sirop. Fait qu'au bout de 2 jours, là, le sirop, il est très très bon. Attends, on va manger la petite boule. T'as-tu hâte de pouvoir manger ça, des bons desserts comme ça? Excellent petit dessert rustique. C'est comme si vous étiez au Vietnam, dans un kiosque de street food, à manger un dessert là-bas. Excellent! Puis un petit détail important aussi, là c'est sûr que ça en fait beaucoup, fait que vous allez sûrement en serrer dans le frigo. Les jours d'après, quand vous allez vouloir les manger, il faut les réchauffer au micro-ondes. Fait que moi, quand je me fais un petit bol avec comme une boule, je vais mettre ça à peu près 1 minute, parce que vous allez voir que de la pâte de riz qui est froide, là, c'est quand même assez dur. Il faut les réchauffer pour que ça redevienne mou. Il y a juste le lait de coco qu'on va laisser froid qu'on peut mettre sur le dessus. Donc j'espère que vous avez aimé cette recette, et si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimeriez contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon, et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour cette recette-là ou n'importe quelle autre de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Bye! Hein? Bye! As-tu dit bye bye? Elle est réveillée. Ouais.